C'était vraiment une journée de merde. Jésus s'était fait enlever et mon seul témoin, c'était un vieux pourri qui pue et à moitié sourd. Mais Jésus, oui, je vous dis que c'est son nom. Un petit bébé, comme ça. Mais du coup, vous avez vu qui a fait le coup? Des pourris. Ça grattait au coin. Mais je comprends rien à ce que vous dites. Le ravisseur, il ressemblait à quoi? Il est parti par où? Oui, un putois énorme. Avec des pourris. Et après, voyez, le bâton, il est tapé dedans. Et il est parti. Il a fui. Et on l'aurait dit. Oasis de Badji? Ma femme, elle a fui. Aussi. Ouais, bon, merci, c'est bon, je vais vous laisser, hein. Oui, je dois aller au WC. Alors, pour les fêtes de Noël, on a décidé de faire un jeu sur Jésus, sur la nativité, tout ça. Donc, Wisdom Tree, hein, qui a fait des jeux tout à fait illégaux aux États-Unis. Mm-hmm. Donc, c'est un jeu rare. Ouais, en anglais. Et voilà, donc là, il y a plusieurs scénarios. Je pense qu'on va dire celui du haut, non? Bah pour commencer, mais Jésus... on commence par le début. Jésus dans le temple, ça me paraissait bien. Parce que c'est un bon épisode. Ouais, bref, donc Wise Man, c'est-à-dire qu'on... Non mais lui, c'est un mécréant. Wise Man, oui, ça va peut-être te rendre plus sage, là, parce que t'as pas choisi la bonne religion, mais là, je suis là pour te convertir ce soir, donc... The Wise Man, bah, c'est les hommes sages, hein, puis lui, c'est un homme qui est pas sage, donc c'est pour ça qu'on va lui faire faire le jeu. J'ai pas été gentil. Difficulté normale. Musique, bon bah oui, on va le faire souffrir un peu, hein. C'est comme des épreuves, donc on va laisser la musique. Bah oui, au moins voir ce que ça vaut. Ah, je monte un peu le son, t'en profites. Voilà, ça va être ça pendant 10 heures. On va prendre normal, du coup. Ouais, normal, on va découvrir le jeu normalement, on va pas déjà commencer comme, avec des, comme des handicapés, là. Hein. Alors, attends, alors, je suis qu'est-ce quoi, que c'est que je ça suis où? Je suis là, ok. C'est un lion, c'est un dromadaire, là. Qu'est-ce que c'est que ces dromadaires de clochard, là? Dromadaire, apparemment. Ouais, on voit qu'il a pas une thune, hein. T'as vu la gueule du dromadaire? Alors là, ça, ok, quand j'avale des trucs, ça tire là, et là ça saute. Ok, il faut suivre l'étoile, elle se déplace en même temps là, c'est ça. Il faut suivre l'étoile, ouais. Pourquoi il est habillé en là? Merde. Ah, c'est vraiment un fragile, c'est vraiment un babtou lui, parce que tu vois bien que le moindre caméléon il marche dessus, il se fait déjà blesser. Dans le style, ça me fait penser, à part que non en fait, non, ça, j'allais dire, ça me fait penser aussi le Mario, mais en fait tu peux pas sauter sur les gugus. Ah, il sautait haut le dromadaire, hein. J'ai jamais vu un dromadaire sauter haut comme ça. Est-ce qu'il y a un jeu de plateforme? Ah, c'est vrai que le dromadaire il est... Je sais pas si c'est un jeu de plateforme parce qu'il y a pas beaucoup de plateformes là. Oh putain, on va pas avoir des... souverains, enfin je veux dire des versets, si. Ah putain. Ah, en plus il faut répondre à la question. Mais on n'en sait rien, alors on va traduire. Laisse ces paroles sombrer dans tes oreilles. Donc ça forcément tout, bref, ouais, c'est bizarre. Plus de... Pour le fils de l'homme ne doit pas passer aux mains de l'homme. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ouais, on va mettre vrai. Enfin, vrai, ça doit être un truc genre notre bi. C'est d'être un truc entre rien, notre bi delivered ou bi delivered, quoi. Ah, déjà prophète, pas prophète. Ouais, on va dire que c'est la période de Noël, hein, ils ont dit la vérité. Et voilà. Je t'avais menti. Commence par des mensonges. Tu vois. Alors là, il a une religion, il la connaît même pas en fait, il connaît rien, même moi je connais mieux. C'est la religion de la traduction surtout que tu m'as faite là. Il connaît ton ennemi, il connaît ton ennemi. Ok, bon, ça en plus c'est... Immolard, le dromadaire, c'est un footballeur je pense. Waouh. Par contre, j'en veux bien qu'il saute aussi haut là, parce que ça peut être pratique. Hein, dans les embouteillages. Un jeu où le saut il était tout pourri là, je te jure, quand tu sautes... Ah, il sort même de l'écran, il y a du clipping. Il s'appelle Clipping, son dromadaire en fait, parce qu'il disparaît tout le temps. Là. C'est un kangourou en fait, c'est pas un dromadaire. Je sais pas, il y a un truc là, il y a un caillou là. On a jugé, non c'est un truc qui est un monstre qui va sortir, regarde. Ah ouais. Ah tu vois. Ah non, c'est un truc qui fait sauter en fait. Ah par contre les cactus c'est dangereux, ça pique. Avis, hein, ça... Ouais. Les petits i, c'est quoi là? Ouais, ça. Il y a de l'action, hein, c'est vrai que. Ah non, là, si tu ouvres encore un parchemin, ils vont te poser une question. Bah, justement, on est là pour ça. Bon, bah, on va essayer alors, avec une traduction. Le start, ça fait juste ça. Hein. Le select, ça fait rien. Select, je crois que c'est pour envoyer les armes quand on a. Parce qu'il se trouve qu'on a le mode d'emploi, ce qui est un événement extrêmement rare. Ah. Bah, est-ce que t'as surtout. Le roi des rois, hein, c'est le jeu. Je dirais le fils des... Fils de... Hein,
Voilà. Avec les contrôles et tout ça. Ouais, le fils de l'homme, voilà. Fils de sa mère, fils de ta mère. Alors, mettez tout le truc de Dieu qu'il faut trouver, qui peut être capable d'affronter les vilainies du diable. L'armure, le home ou le bouclier de Dieu. Alors... Bah Wall, ça doit être Wall intégral, bah, ça doit être l'armure, hein, je sais pas. Moi j'aime bien Armour parce que c'est l'armure. Okay. Donc ça, tu me dis que tu connais bien, tu connais tout. Moi je connais rien, c'est ta religion, bâtard, vas-y, qu'est-ce que tu veux. Ah non, c'est paix, réconciliation pour tout le monde là. Voilà, les illustrations sont dégueulasses hein, sur le mode d'emploi. Ah, c'est vraiment. Surtout que. Bah, s'il ressemblait à ça, Joseph, hein, franchement, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais. Voilà, c'est n'importe quoi. Hein. Bon, allez. Cette qualité de chrétien. Ouais. C'est faux, il s'est trompé. Qu'est-ce que t'avais mis encore? Armour. Ah, mais fallait pas m'écouter, moi, je suis là pour te corrompre, hein. Je suis là pour te faire oublier tes versets et. Mm-hmm. Ah, bah, je crois que c'est fini. C'est la fin du jeu, en fait, déjà. Ah, quoique, non, c'est pas ça. Ah, si, c'est bon. Ah, il y a un combat de boss. Attends. Ah, niveau 1 terminé. Frankincense Count. Ah, ça, c'est tous les. Ah, c'est des encens, je croyais que c'est des lettres I. Je me disais, il y a que les lettres I, ils ont pas les moyens de faire des mots complets. Ça donne des points, ok. Ouais, c'est. Ah, ça, ouais, alors on voit que c'est un inculte. Ah. Ils ont quand même fait une monture, hein. C'est vrai que dans Mario, ils avaient pas réussi à faire le dinosaure avant la Super Nintendo. Ouais. Ça, c'est du dromadaire de combat. Pour la question. Qui était le. Qui a tué. Ah, bah, c'est Kane qui a tué son frère, hein. Kane. Ça, c'est bon, ça. On connaît la réponse. Bah, alors, tu vois que tu connais les anciens livres. Ah, je connais les bâtards. Kane, c'est un enculé. Tue son propre frère. Ouais, mais cette histoire. Niquer sa propre mère. Enfin, il a fait des trucs de niquer de la tête. Bah, c'est surtout qu'il a fait le premier péché connu. Ouais. Pas de péché. Ouais, nous on a fait les derniers. Pour la petite histoire. Les derniers péchés connus, c'est nous. Là, c'est. Ouais, il trace. Allez, il y croit, il essaye de survivre face à cette disparition des blocs super mal faite. Comment on fait pour l'avoir? Bah, tu sautes par au-dessus pendant qu'il tombe. Ouais, bah, vas-y, toi. En plus, ils ont mis du sol en dessous, mais c'est juste le sol qui se réplique du haut de l'image. Munitions très limitées. Enfin, moi, j'ai entendu parler dans le mode d'emploi d'une banane qui revient comme un boomerang. Ils ont vraiment cette maîtrise, là, on sent qu'ils commencent à avoir la foi. Ah, le jeu est en train de le convertir. C'est pour ça qu'il a été fait, le jeu. Hein. Je suis porté par la grâce. Convertir les enfants. Contre les cailloux, ils me surprennent toujours autant. Ah, c'est ton petit moment. Au-dessus de tout, prendre le machin de la foi, avec quoi tu devrais être capable de quench all the fiery darts, d'éviter les darts des maudits. Moi je dirais l'épée. Bah, le bouclier de la foi pour okay. Arrêter les darts. Et voilà. Bon, ça fera 20 dinars. 20 dinars. Ah ouais, parce que moi je travaille pas gratuitement. Hein. Toujours faire du commerce, tu dois pouvoir sauter dessus là, pour aller plus haut, non? Je me disais non, en fait, non. Oh là, les cailloux qui sortent! Oh là là! Oh non, mais c'est là, putain, vraiment. Les cailloux ils sortent des trous, quoi! Vas-y, blablabla! En plus, je recommence de là! Je pense que t'es croyant au début du jeu, puis après tu l'es plus, quoi, parce que. Tu veux pas glisser comme dans Mario sur la pente? Alors, ça non, je peux pas monter dessus. Ouais. Là, il y a un caillou qui sort d'un trou. Tu peux pas t'accroupir avec la flèche du bas? Non. Ah, saute! Ah, t'as dit je vais couper, donc c'est bon, on a rien vu. Les chrétiens, là, c'est coupé. C'est plus ce que c'était, ils ont plus la foi, ils ont plus rien. Là. Allez. Ils arrivent même pas à sauter au-dessus d'un cactus avec leur dromadaire, là. Voilà, ils sont blessés par des cailloux, c'est devenu des chochottes. Ouais, c'est plus trop de vrai, là. Non. C'est une religion de fragile, ça, qu'est-ce que tu veux que je te dis. Alors, j'ai tenu, comme la foudre qui tombe du paradis. On va dire Satan, on va dire Satan. Satan de Dragon Ball, hein, je parle du mec Mister Satan. Et voilà, c'était ça. Ah, tu connais beaucoup en Satan, je trouve. Ah, je m'y connais surtout en Dragon Ball. Ouais. Ta religion ne serait pas l'argent? Dis-nous tout.
C'est pas parce que le Coran est arrivé après que c'est forcément de la merde. Bah non, je dis pas ça, j'ai pas dit ça. Attention. Mais bon. Il y a plus d'avant, je... Ouais. Il y a la branche de ceux qui savent sauter avec leur dromadaire et il y a celle de ceux qui arrivent pas. Eh ben, en attendant. Ouais. Ah. Bon. Question. Petit test. Barry et Joseph. Après. Ah ouais, il a été enlevé. Combien de jours il a fallu? Bah vu comment tu joues, il a fallu, à mon avis, 8 jours. Hein. Ah non, c'est beaucoup, 8 jours. Ils l'ont quand même retrouvé avant, sinon il serait mort. Bah c'est Jésus. Attends, je me suis dit, ouais, tu il vois, est revenu tout seul en courant, le bébé. Je me dis, c'était le Chuck Norris de l'époque. C'est ça, c'est ça. Ah non, aujourd'hui, on croit en Chuck Norris. Ah ouais, c'est beau, il commence à apprendre de ses erreurs. Ah mais après, c'est un peu jeu de mémoire, là, sur ce... Il commence à avoir la foi, là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben... Bon bah c'est Moïse. Ça va, parce que comme il n'y a pas de mémoire sur la console, ils ont mis que trois versets. Ils ont tourné en boucle. Ah ouais, bon allez, continue. N'essaye pas de sauter là-haut, parce qu'il y a un moyen de courir, je crois, mais il faut garder le saut enfoncé. Ah, peut-être en le touchant comme ça, un peu plus à droite. Ah ouais, il essaye de tricher, non, mais par la droite, là, tu peux y aller facilement, là. Ah, c'était un piège, encore. Quand tu touches le haut de l'écran, tu peux plus sauter assez haut, c'est ça? Ouais, je pense. Alors, c'était pas l'armure. Bah c'était non, pas l'armure. Question. La robe, les bottes. Il n'y avait pas les... Ah ouais, il y avait to stand against the Dio. Eh ben, là, c'est l'armure, hein. Non, bah non, c'est pas l'armure, puisque c'était déjà pas l'armure la dernière fois. Ouais, mais c'était pas la question, ouais. Mais j'ai, en plus, j'ai répondu le bouclier, le shield. Ah ouais, mais c'est la même... C'était quoi? C'était l'armure? Ouais. 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 Allez, on y va. Oh, c'est beau. C'est quoi ce truc? Ouais, je pense que là, il fallait que tu commences à sauter vers la droite et que tu reviennes en arrière. Là, comment je fais pour passer? Techniquement? Tu sais, y a pas moyen de courir? Avec l'autre bouton? En le gardant enfoncé? Ouais, en faisant comme ça. Ah, t'as sauté... Ouais, il plane! Il plane, le machin! Bah... Qu'est-ce que c'est que ce dromadaire? Attends, y'a moyen de monter? Non, mais saute et reviens en arrière. Commence un saut et reviens en arrière pour qu'il tombe, tu vois. Tu fais demi-tour en plein vol. Ah, tu sautes au-dessus de ce merdier, là. Ouais... Faut tout lui expliquer comment manier le dromadaire, hein, lui, tu lui parles. C'est le boss, ça. Non, barre-toi. Ah non, c'est le boss, t'es obligé de lui cracher dessus. Bon, bah vas-y. Alors. C'est un vrai. C'est une bataille de. C'est un footballeur, le dromadaire. Vas-y, je lui crache dessus, moi. Il mollarde. Ah, c'est difficile, hein. Ah, il a réussi. Ah, c'est beau. C'est même pas fini, là, si c'est fini. Ah, même. Ça, c'est du boss. Impressionnant. Ah, c'est qui le croyant? J'ai cru en moi. Je suis arrivé. Ouais. J'ai la foi. Ouais, la foi. Nique sa race. C'est grâce aux précieux conseils de quelqu'un qui sait utiliser un dromadaire qui sont sortis. Ouais, tu m'as donné beaucoup de mauvaises réponses. Hein. Ouais. C'est plutôt bien joué. Ouais. Ah, puis il faut reculer les trucs. Ah, c'est la fameuse. J'ai mangé la banane, c'est quoi ça? C'est une banane, ce machin? Il faut la rattraper, sinon tu la perds. Ah bon? Ouais, bah oui. Ouais, il fallait la rattraper, là. Ah non. Ah ça y est, ça va être le jeu qui va toi genre... Ah désespéré. Après là en appuyant sur la flèche du haut, on dirait une entrée de caverne. Un truc en trompe-l'œil là-dedans. T'as remarqué d'ailleurs des fois les trucs qui sautent là, les pixels. En parlant de tromper. Là, les pixels ça saute un peu. Est-ce que t'es bien sûr que Marie, elle aurait pas traîné avec quelqu'un... Hein? Parce que le gamin qui tombe des cieux comme ça... Je dis que pour un croyant, tu blasphèmes beaucoup. Ah mais chez nous, il est considéré comme prophète que sa mère... Sa mère, prophète, donc... Ouais, sa mère, ça vient pas de Dieu, hein, c'est qu'il y a quelqu'un qui a... Ben Joseph, t'es bourré. Ah, c'est pas bien, ça. Ça, c'est pas bien. C'est parallèle, ça. C'est lui. Mollard. Ah oui, mais dans la bonne direction, là. Ah, c'est pas craché, là, le mec, il a pas... Ah, les chéris, ils sont tout pourris. Quoi. Comment tu veux t'en sortir dans la vie si tu sais pas faire un beau molar? Regarde,
tu vas te faire tuer par des corbeaux après. Alors je suis parti vers l'est, sur un dromadaire qui n'avançait pas. Par contre, il sautait hyper haut. Et puis il crachait des putains de molars. La classe! Ah, ils ont fait quand même un bon moteur physique. 91, ouais, ouais, tu sais, c'est vachement tard hein, pour la console à 91. Ils auraient pu faire mieux que ça. Jésus, le temple. Ah non. Où est Jésus? Je ne sais pas, je dois le trouver. Ok. Oh là, c'est super en plus, Mario. Attends, là. C'est Mario Bros. Oh, putain, oh, ces animations, traverse. Cette... traverse les vents et les marées et tout. Ah, et puis il tombe dans le vide comme un blaireau. Ah bah moi, attends, je me dis, c'est bon, il peut tout traverser, il peut tout faire. Ah, c'est pas Moïse, là. Ça va être un labyrinthe. Il va sur une cascade, là, il se vautre la gueule, hein, c'est tout. Hein. Alors là, et en plus, ils ont repris une musique qui date de... du 17e siècle, là, qui a absolument rien à voir. Ils ont repompé ça sauvagement, là. Green sleeve, là, chaussette verte, ça n'a rien à foutre dans ce contexte. Ça a l'air difficile en plus, là. Ah, faut y aller comme un bourrin. Premier jeu, il t'endort et après, puis là, il se fait avoir à chaque, là, c'est limite tout ça. Devoir courir dans la rivière, ah, les enfants, là, non. Oh, moi, je recommande pas. Je crois que si je lance ma manette dans la télé, elle s'ouvre en deux, telle la mer avec Moïse. Je sais pas, mais il va falloir me retrouver la même télé, ça va pas être facile, hein, parce que là... Allez, ça existe plus, ça. Télé rétro et qui fait HD quand même, cathodique, là. Ça m'a coûté 700 000 $. Ah, là, on voit pas, hein, dans la caméra, mais c'est une télé en or. Toute la télé, elle est... Ah, le cadre, il est en or. Puis comme c'est éblouissé trop, je l'ai peint en gris plastique dégueulasse. Un pour ceux qui aiment les trucs de merde avec de la flotte. Une arme pour ceux qui aiment les trucs de merde dans les nuages. Et puis ceux qui aiment les trucs de merde dans le désert. Voilà. Ouais, surtout dans tous les types de merde sont représentés. Ouais. Ah là, il a trouvé le truc là. Faut faire un petit saut. Oh putain. C'est stressant, tu peux pas aller au-dessus là-haut? Non. Il saute pas comme un dromadaire, lui. Ressaute, ressaute. Ah non, ok. Qu'est-ce que c'est que ce. Ah, c'est le bout, on voit le bout. Ah, j'ai trouvé Jésus. Je suis pas sûr, hein. Je pense que t'as trouvé d'autres emmerdes. Ah, bah là, y a plus de sol, y a plus de. Ah putain, c'est de la merde, ça, c'est des. C'est, ça se passe, ça a été tourné dans les chiottes. Là, ça me rappelle des choses en fait. Avec ça te rappelle des chiottes, non? C'est des crottes. Là. Alors, le débat, la femme. Alors, la femme, est-ce que c'est de la saloperie? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est. Là, tu viens de perdre beaucoup de monde là. C'est de la saleté. C'est de la saleté ou c'est pas de la saleté? Alors, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Ça va être ma question du jour. La femme, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Bah, qu'est-ce que tu fais avec une femme, toi? Ah bah, à leur passage, elle fait la cuisine, elle fait la vaisselle, non, la conversation, non, je sais même pas, je comprends rien de ce qu'elle dit, on est d'accord. On est d'accord que quand elle parle, tu lui dis ferme ta gueule tout de suite, quoi. Enfin, moi, j'ai compris à quoi elle servait, en tout cas. Ouais, à procréer. Ouais, avant. Ah non, après le mariage. Non, mais... avant de procréer. Faut le faire. Non mais tu on est bien d'accord que à part ça, l'utilité elle est pas non plus. Après elle est quand même pas mal. L'oasis de Badji était contrôlé par des bandits. J'avais décidé de parler à leur chef, Kader El Algoun. Wesh Glo, tu veux du shit? Rends-moi le bébé, Kader. Ah, c'est pour ça que tu es venu. Va falloir payer la rançon, Rouya. Ah non mais déconne pas, j'ai pas une thune. Ma mesquine, tu peux rentrer chez toi, yallah. Ah ouais, c'est comme ça que tu le prends. N'oblige pas à employer la force, Kader. Oula, où est-ce que t'as trouvé une arme aussi puissante? Ça, Kader, c'est grâce à mon dromadaire. Il saute super haut, mon dromadaire. D'accord, baisse ton arme. Je te rends Jésus.
mon bébé. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Ouais, alors donne-moi l'argent. Sinon, on a la catastrophe.